C'est une année exceptionnelle pour nous. On est super heureux de lancer aujourd'hui, pendant notre 124e anniversaire aujourd'hui, le début du 125e anniversaire qui commence demain. Pour une année de célébration avec une série de choses qu'on veut offrir aux Québécois. C'est un calendrier assez chargé, mais est-ce que vous pouvez nous pointer quelques activités principalement qui vont retenir l'attention? Mais l'ensemble, je suis très fier de le programme pour l'ensemble. Et c'est clair que au mois d'avril, on va avoir plusieurs événements avec les portes ouvertes, avec l'exposition des artistes, avec l'événement avec les souvenirs du château par le peuple, par les Québécois de la région. Je trouve que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel pour venir visiter. La conférence de l'anniversaire du 75e conférence de Québec va être une exposition absolument magique à venir visiter. Et le but également, c'est de vendre aussi le château aux Québécois de la province. C'est pas, donc, pas seulement à une clientèle étrangère. Oui, le château, souvent, c'est plus qu'un hôtel. Hein? C'est notre icône, c'est notre symbole, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Donc, c'est très important de célébrer justement l'histoire et les grands personnages qui ont visité l'hôtel, mais aussi de célébrer notre histoire et notre culture. Je vois aussi le château Franac comme un centre culturel pour les Québécois. Donc, je veux que ce soit ouvert aux Québécois avec plusieurs événements l'année longue, que les gens peuvent venir, ils sont tous bienvenus pour venir explorer l'hôtel et apprendre de leur beau château. Et plusieurs grands personnages sont passés par le château, n'est-ce pas? Il y en a toute une liste. Il y en a tellement, on peut en parler pour des heures. Mais justement, avec nos rich suites exécutives, avec les grands personnages de Churchill et Roosevelt et Charles de Gaulle et Céline Dion, Hitchcock, on est très heureux. Puis il y en a d'autres. Hein? Il y a des centaines de vedettes et politiciens, évidemment, qui étaient ici depuis les 125 ans pour venir célébrer ici au château. Donc, on est très fiers de cette histoire.